8h13 sur Europe 1, votre invité Soné Mabro, est le président du Rassemblement national. Bienvenue sur Europe 1 et bonjour Jordan Bardella. Bonjour. Emmanuel Macron va donc s'exprimer ce soir après la promulgation du texte sur les retraites. Le président va certainement acter de la fin du processus sur ce sujet et tenter de relancer la suite de son quinquennat. Pourquoi pensez-vous déjà qu'il ne faut rien en attendre ce soir Bon, écoutez, on commence à bien pratiquer Emmanuel Macron maintenant depuis 2017. Donc, effectivement, on ne s'attend pas à grand-chose. On sera probablement quand même, quand même déçu. Il y a une rupture qui est actée aujourd'hui, je crois, entre lui et, et le peuple français et surtout une rupture entre le gouvernement et la représentation nationale. Je pense qu'il devrait relire les, les mémoires du général de Gaulle et se rappeler qu'en France, la Cour suprême, c'est le peuple. Le général de Gaulle l'avait très largement théorisé, Michel Debré avec lui. Et je pense qu'il n'y a pas de honte à revenir devant le peuple français quand on a commis un impair. Et en l'occurrence, la solution me semble être le retour au peuple, soit par la dissolution, soit par le référendum ou encore par la démission du président de la République. Vous savez que ces trois scénarios ne sont pas sur la table. Vous citez le général de Gaulle, il a permis aussi justement ces institutions qui protègent le président de la République et qui lui ont permis d'utiliser des outils, somme toute, prévus dans la Constitution. Oui, enfin vous savez, l'article 16 prévoit que le président de la République puisse en temps de crise avoir les pleins pouvoirs. Alors effectivement, c'est constitutionnel, mais est-ce démocratique et moral Le débat est beaucoup plus, beaucoup plus subjectif. On ne peut pas gouverner éternellement contre, contre le peuple français. Emmanuel Macron a... Était jusqu'à promulguer une réforme qui a mis le feu aux poudres, qui a énormément divisé le pays, qui va continuer de diviser le pays. Et je pense qu'il y aura un avant et un après. Et le président de la République ne peut pas se dissimuler derrière la décision du Conseil constitutionnel, qui est une décision de forme, qui est une décision purement juridique, pour considérer que sa réforme est légitimée sur le fond. Il y a un très large refus dans le pays de cette réforme. Et, et juste avec le recul, il fallait être fou pour mettre en place cette réforme. Parce fou. que. Parce ah, ça que le relève pays, quasiment de la, de la folie. Bah, écoutez, il, 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 je pense qu'il a un rapport un peu toxique et malsain avec les Français. Euh, quand euh, les Français vivent une inflation à deux chiffres, quand de plus en plus de Français n'arrivent plus à boucler les fins de mois, quand on vit des faillites en cascade, des artisans boulangers qui n'arrivent plus à payer les factures d'énergie, quand le pays fait face à des crises, à une coagulation des colères eh bien, et qu'on vient en plus le rajouter l'immobilier pendant quatre ans. des retraites, non, l'action, l'action sur le pouvoir d'achat, la parler. baisse de la TVA sur euh, l'énergie parce que on le carburant a repassé la barre symbolique euh, des deux euros. Euh, le problème de l'immigration et de l'insécurité qui ne sont pas réglés dans notre pays. Il devait y avoir un débat sur l'immigration. Faute de majorité à l'Assemblée, il sera reporté. Donc, l'immobilisme, c'est précisément ce que fait le président de la République. Et euh, en somme, les gens se disent Mais est-ce qu'un jour, on va avoir un chef de l'État qui nous, qui nous respecte, qui nous aime et surtout ah qui bah, nous considère Justement, hier, lors de l'émission Le grand rendez-vous sur notre antenne, le ministre du Travail, Olivier Dussopt, a nié tout mépris de la part de l'exécutif et beaucoup dans la majorité, Jordan Bardella, attendent de, de l'empathie ce soir de la part du président. Vous venez de parler même euh, d'amour. Vous pensez qu'il en est euh, incapable, le président Mais je pense surtout que les français ne l'intéressent pas. Je pense surtout que les français ne l'intéressent pas. On est en train de vivre précisément la suite du mouvement des Gilets jaunes. La fracture n'a jamais été aussi grande entre euh, le gouvernement, entre Emmanuel Macron, et euh, la définition que, que donne Michel Onfray du peuple, c'est-à-dire celui sur qui s'exerce le pouvoir. Or aujourd'hui, les Français ont le sentiment qu'ils ne sont plus écoutés, qu'ils ne sont plus entendus et probablement que si le Rassemblement national aujourd'hui enregistre une percée notable dans les sondages, c'est parce que les Français ont le sentiment que nous apportons des réponses au quotidien et que nous nous apparaissons aujourd'hui, je crois, comme un pôle de sécurité et de stabilité Vos pour le pays face nonce, à des gens qui n'écoutent hum. plus les Français. Vos opposants affirment que vous avez surfé sur la vague en ne faisant rien en gros que c'est votre stratégie du silence et du coup de l'immobilisme qui vous a porté et a porté ses fruits. Que répondez-vous oh, à cela le jour où nos adversaires nous trouvent des qualités on se remet mettra peut-être en question. Euh, vous savez, ça fait euh, des années, et précisément euh, s'agissant de Marine Le Pen, 20 ans qu'elle est en première ligne, qu'on se bat pour défendre euh, la France, pour défendre les Français, pour défendre tous ces Français oubliés, relégués, méprisés, et au fond, tous ces dépossédés qui ont le sentiment que l'État est partout où il devrait être et qu'il n'est pas là dans ses missions les plus essentielles, à savoir protéger les Français, protéger leur pouvoir d'achat et cesser d'exercer des politiques qui sont contraires à leurs intérêts. Et plus longuement, je pense que la solution passera aussi par le retour du peuple dans les institutions et c'est la raison pour laquelle, vous le savez, nous défendons l'instauration dans les institutions françaises du référendum d'initiative citoyenne. Ça fait 18 ans que les Français n'ont pas été consultés par référendum et surtout de la proportionnelle aux élections législatives. Mais donc en résumé pour ce soir, Jordan Bardella, le président va s'exprimer suite à une période de très forte tension après trois mois de contestation et vous n'en attendez rien sur le fond, rien sur la méthode, rien sur la direction, rien sur les mots. Est-ce que vous avez encore de l'espoir qu'il change ou qu'il dise qu'il a entendu qu'il va changer Non, absolument pas. Moi, je ne préjuge pas de ce qui sera dit ce soir, mais j'ai... Euh au moins le sentiment qu'il dira que tout va bien, que tout continue, qu'il est parfait et que euh, la mobilisation qui s'est exprimée euh, dans les rues du pays depuis maintenant euh, la mi-janvier, euh, somme toute, est assez dérisoire. Vous l'estimez euh, à ce point déconnecté d'une réalité oui, qu'il qu voit qu aussi comme vous D'abord, je pense qu'il qu est totalement déconnecté. Deuxièmement, je pense que ce texte aurait dû être censuré par le Conseil constitutionnel parce que je pense que le principe de clarté et de sincérité dans la méthode qui a été utilisée par le gouvernement, euh, le 49-3, le vote bloqué au Sénat, le fait que l'Assemblée nationale n'ait plus Examiner que deux articles du texte euh, a, a, a créé un trouble dans la lecture qu'ont pu faire les parlementaires de ce texte à l'Assemblée nationale. Mais c'est vrai qu'il y a, il faut bien le dire, une connivence aujourd'hui entre le Conseil constitutionnel et le pouvoir politique qui, à mon avis, influe sur la décision. Mais pour autant, euh, elle est légitime la décision du Conseil constitutionnel et maintenant la loi est, est promulguée. Elle est légitime sur la forme. Je veux dire, c'est un examen de forme que fait le Conseil. C'est pas un examen de fond. Mais quand vous voyez que le président du Conseil constitutionnel, Monsieur Fabius, euh, précisément a siégé dans le même gouvernement que Monsieur Macron, quand vous voyez que Monsieur Macron, président de la République, a fait nommer au Conseil constitutionnel Madame Gourault, son ancienne ministre, quand vous voyez que le président du Sénat a fait nommer au Conseil constitutionnel son ancien directeur de cabinet, quand vous voyez que l'ancien président de l'Assemblée nationale euh, Monsieur Ferrand y a nommé Madame Malbec, qui est une magistrate qui est liée notamment euh, euh, au classement sans suite de mm -hmm. l'enquête des, des mutuelles. Euh, euh, oui, on peut se poser la question, et beaucoup de Français effectivement n'attendaient pas grand-chose de toute manière. Monsieur Pardella Imaginons la, la en un instant que, que le, le texte aurait été invalidé. Qu'auriez-vous dit de ces personnes qu'ils auraient fait un bon travail Oui, enfin, on peut toujours refaire l'histoire. La vérité, c'est qu'il n'a mm -hmm. pas été euh, euh, retoqué par le Conseil constitutionnel et que personne ne s'attendait à une censure totale du texte euh, du, euh, par le Conseil constitutionnel. Alors maintenant, que la loi est, est promulguée. Est-ce que les appels à continuer à manifester sont encore euh, pertinents et légitimes? Écoutez, euh moi, je dis aux Français, euh, le mouvement social, d'abord, il s'organise librement, mais je veux juste leur dire qu'il leur reste entre les mains l'arme la plus puissante qui soit, qui est celle du bulletin de vote. Il y aura des prochaines euh, élections. Il y a des élections européennes dans un an, des élections présidentielles et législatives dans quatre ans. C'est loin moi, pour certains. L'horizon est loin. Je sais que c'est long, je sais que c'est difficile. Mais je vous sais restez que les en temps retrait sur les appels à l'Union européenne. C'est pour les Français. Mais, mais c'est c'est pas mon rôle que d'appeler ou non à manifester, c'est le rôle des syndicats. Moi, mon rôle, c'est de dire aux Français que ce qu'ils qu vivent, ce n'est pas une fatalité, que c'est la conséquence des choix politiques qui ont été faits par le gouvernement et que euh, euh, notre objectif et notre ambition désormais c'est de préparer l'après Macron il y aura un après Macron et cet après Macron peut ressembler à tout sauf à la politique euh, brutale violente et de mépris des Français qui a été Bien. conduite jusqu'à ce jour par le gouvernement et en tout cas c'est l'ambition que nous nous portons pour notre pays mmh. et pour nos concitoyens mais Jordan Bardella avant l'horizon des européennes et encore plus celui de la présidentielle là, le, le 1er mai est-ce que vous souhaitez euh, qu'on casse la baraque pour reprendre l'expression de, de Laurent Berger en termes de nombre de manifestants. Vous dites ce n'est pas mon rôle. La France insoumise appelle, hein, ce qui est beaucoup de monde aussi de, dans la rue. Est-ce que pour vous, c'est anachronique maintenant que la loi est promulguée Non, je, je pense que de toute manière, il y a derrière ces mobilisations sociales mille et un motifs de contestation. Je veux dire, les Français qui descendent dans les rues, qui pour beaucoup ne sont jamais allés manifester de leur vie et qui descendent manifester contre une politique de saccage social, ne manifestent pas simplement contre la réforme des retraites. Ils manifestent parce qu'ils oui. n'arrivent plus à boucler les fins de mois. Mmh. Ils manifestent parce que la crise de l'énergie n'a pas été réglée, ils manifestent parce qu'ils ont le sentiment de ne plus être entendus, et on assiste probablement à ce que le géographe Christophe Guillu appelle le réveil des dépossédés. Mais à vous entendre, c'est dire, et à entendre Marine Le Pen aussi, vous avez quand même tourné la page des retraites. Elle, elle donne déjà rendez-vous dans les urnes et regarde vers 2027, la page est tournée sur les retraites. Non mais je ne vais pas, si vous voulez, dé défoncer la porte de l'Élysée avec un bélier. Bon, euh, ce texte a été promulgué de manière, là encore, extrêmement rapide. Le président de la République avait deux semaines pour le faire. Il a souhaité tourner la page assez vite. Moi, ce que je dis, c'est que sur le fond, la page n'est pas tournée pour les Français et la fracture n'est pas refermée. Et nous prenons un engagement qui est celui de permettre en 2027 à tous les Français qui ont commencé à travailler entre 17 et 20 ans mmh. de partir à la retraite avec 40 euh, années de cotisation et un départ à l'âge légal de 60 ans. Au-delà, c'est normal qu'il y ait une forme de progressivité parce que, euh, bah, bah, parce que vous avez un métier prolongé. Moins Bien difficile sûr. à 24 euh... ou 25 ans quand vous commencez à démarrer qu'à 17 ou 18 ans. Sauf que cette France-là, cette France qui se lève tôt, cette France du travail, cette France des BTS, elle est la première pénalisée par une réforme qui a pour but, je le rappelle, de faire baisser les pensions de retraite parce qu'on sait que le nombre de personnes qui partent avec une décote va évidemment augmenter dans les années qui viennent. Encore une piste sur la table, la France Insoumise réfléchit à nouveau à déposer une motion de censure pour faire euh, tomber le gouvernement d'Elisabeth Borne. Est-ce que vous dites euh, encore On peut encore tenter ou ça suffit maintenant Non mais je dis que ces gens-là sont des tartuffes parce qu'à chaque fois qu'il a été possible de faire tomber le gouvernement, euh, euh, ils, sont restés, euh, ils sont restés dans les loges. Euh, nous avions déposé une motion référendaire avant même le début de, du débat à l'Assemblée sur le projet de loi des retraites pour faire en sorte que ce texte puisse être tranché par référendum. La France Insoumise et les députés de la NUPES, par un sectarisme qui pousse à la bêtise, ont refusé de voter cette motion référendaire. Nous avons déposé comme premier groupe d'opposition à l'Assemblée plusieurs motions de censure. La gauche a systématiquement refusé de les voter. Mais c'est normal mal, parce que tous les dirigeants de la NUPES ont appelé à voter lors de la précédente élection présidentielle il y a un an pour Emmanuel Macron au second tour, tout comme les dirigeants syndicaux d'ailleurs. Donc, en vérité, ces gens-là sont extrêmement euh, gênés, et surtout, ils ont choisi une stratégie qui est une stratégie d'obstruction euh, parlementaire, qui, encore une fois, avantage très largement le gouvernement, sans compter le soutien aux actions violentes que moi je condamne. Au cœur du débat, vous l'avez cité tout à l'heure, il y a évidemment le pouvoir d'achat. Marine Le Pen l'a placé au cœur de sa campagne euh, électorale. Elle a parlé de nouveau lors de sa rencontre. À Matignon avec Elisabeth Borne de ce sujet, le gouvernement, Jordan Bardella, se refuse de reprendre votre proposition de TVA euh, à 0% sur les produits de première nécessité, arguant qu'il n'y a aucune garantie que le consommateur en bénéficie, sans compter qu'elle coûtera 10 milliards de recettes d'État. Enfin, rien ne va dans votre proposition. Parce que vous, trouvez... -il, Parce que vous trouvez que le... les mesures qui ont été prises par le gouvernement sont efficaces. C'est pas mieux que rien. D'ailleurs, vous ne les avez pas votés quand même. Ça apporte bah, toujours un petit peu de, de plus bah, de faux, de miel. C'est faux, nous les avons votés au mois de juillet. Il euh, y a des mesures très simples aujourd'hui à prendre pour rendre du pouvoir d'achat aux Français. La première mesure que nous défendons quand il y a un carburant à 2 euros et qu'il y a 60% de taxes sur l'essence, c'est de baisser la TVA sur tous les produits euh, énergétiques. Les produits énergétiques, c'est euh, les carburants, euh, le, 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 tout ce qui est nécessaire pour se chauffer, le gaz, l'électricité, le fuel. On passe la TVA de 20% à 5,5% en soulageant la pression fiscale sur les ménages, on redonne immédiatement de l'oxygène. Deuxièmement, nous souhaitons faire ce qu'a mis en place l'Espagne il y a quelques semaines, à savoir supprimer totalement la TVA sur les produits de première nécessité, mm -hmm. le riz, les pâtes, les produits hygiéniques oui, pour les femmes, on en pour en là tout. encore redonner immédiatement de pouvoir d'achat aux Français. Quand c'était le budget et rectificatif 2022 avec des, avec des mesures quand même en faveur des Français, pourquoi alors, vous ne l'avez pas voté à ce moment-là les... Nous avons voté un certain nombre de mesures pour pas le tout. pouvoir d'achat au mois de juillet, pas toutes, bah, parce que je suis pas membre de la République en marche et, et que quand il y a des mesures qui sont pas bonnes ou pas efficaces, excusez-moi de ne souhaiter les voter. Mais Et ce puis, sont troisièmement... des mesures qui peuvent aider les Français, même Troisi... si elles sont insuffisantes. Bah manifestement, non. Troisièmement, nous proposons aux chefs d'entreprise, parce que beaucoup aujourd'hui ne peuvent pas augmenter les salaires parce que les charges sont trop importantes. Nous voulons faire voter une grande loi, de proposer aux chefs d'entreprise, vous augmentez de 10% tous les salaires de votre entreprise, ces 10% de hausse de salaire sont exonérés de charges. Et ça, c'est une réponse concrète pour redonner du pouvoir d'achat aux Français sans peser sur la trésorerie des chefs d'entreprise, tout en évidemment en diminuant la pression fiscale, parce que vrai, on a le pays aujourd'hui qui a le plus haut taux de prélèvement obligatoire, 46% de prélèvement obligatoire, avec beaucoup de Français qui se demandent aujourd'hui, mais où passe notre argent yeah. On paye de plus en plus d'impôts et de l'autre, on a un service public qui ne tient plus la route et qui ressemble à des services publics du tiers-monde. Il y a un argument, Jordan de Bardella, que l'exécutif met souvent sur euh, la table. Il rappelle que nous sommes l'un des pays européens avec le taux d'inflation le plus bas. J'allais dire, c'est peut-être un détail pour vous, mais pour le gouvernement, ça veut, ça veut dire, dire beaucoup, beaucoup. mais c'est ouais. vrai eh ben non mais les chiffres sont bah écoutez, Vous dites aux Français qui euh, aujourd'hui sont à 10 euros près bien, quand ils font ses courses qu'en Autriche c'est mieux, qu'en Espagne c'est mieux. Moi je dis qu'il y a des pays aujourd'hui en Europe qui prennent toutes les mesures que propose le Rassemblement euh, National. La Pologne. L'Allemagne a décidé de baisser la TVA sur ses produits énergétiques. Il rendent du pouvoir d'achat. Euh, L'Espagne a décidé de supprimer la TVA sur les produits de production. Il du pouvoir d'achat. Et puis, il faut s'attaquer aux causes structurelles, s'agissant de l'énergie notamment. Depuis plusieurs mois maintenant, nous réclamons que euh, l'augmentation des prix de l'électricité soit décorrélée des prix du gaz. Vous savez qu'on est tenu aujourd'hui par des règles de fixation des prix au niveau européen, ce fameux marché européen de l'énergie. Emmanuel Macron, là encore, avait... Euh, euh, Évoquer son intention de, de le réformer, ça n'a pas été fait. Or, c'est la cause structurelle aujourd'hui en France de l'augmentation des prix de l'électricité, sans compter qu'il faut, je crois, aujourd'hui défendre notre souveraineté mmh. en matière énergétique et euh, miser euh, encore une fois sur le nucléaire, alors même qu'Emmanuel Macron a considérablement fragilisé la filière Mais par a refus d'investir dans le nucléaire, par l'abandon du projet Astrid et notamment par la fermeture de centrales comme fait ça On même. va conclure, Jordan Bardella. Pour certains et certaines, les regards sont déjà tournés vers 2027 et plus personnellement les vôtres. Est-ce qu'ils sont tournés – Vers 2027, <laughs> nous regardons avec grand intérêt la prochaine élection présidentielle parce que je pense que nous incarnons aujourd'hui une alternative. Je alter... parlais des candidats hein, qui nous, regardent vers 2027. – Nous regardons. – Je suppose que pour vous, Marine Le Pen est la candidate naturelle. – Oui, je pense que Marine Le Pen est la candidate naturelle du Rassemblement National. Elle dit qu'elle indiquerait si… – elle. Donc elle aucun autre sa, candidat sa ne serait légitime. – Je pense qu'au euh, moment où nous nous, où nous nous parlons, elle a la plus forte légitimité, pas la plus forte notoriété. Elle prendra sa décision, je ne parle pas à sa place. En tout cas, moi je souhaite qu'elle soit… – Ah, il y a encore euh, elle un doute soit... Je souhaite, moi, à titre personnel, qu'elle soit candidate. Je ne parle pas à sa place. Moi, je souhaite sa candidature. Je pense que euh, elle a aujourd'hui une, une, une notoriété, une légitimité, et surtout, euh, je pense que beaucoup de Français s'aperçoivent, euh, notamment au regard de la dernière élection présidentielle, que si on l'avait écoutée peut-être sur le pouvoir d'achat, ou encore une fois lorsqu'elle disait que la réélection d'Emmanuel Macron entraînerait l'accélération des tensions sociales et du désordre dans notre pays, nous avions eu raison avant euh, tous les autres. Et je pense que le projet que nous représentons aujourd'hui, le projet que nous portons, apparaît comme une alternance pour des millions de Français. En tout cas, nous allons nous battre pour défendre notre pays, pour protéger nos concitoyens, parce que nous aimons profondément la France et les Français, mmh. et c'est peut-être ça qui nous distingue du reste de la classe politique. Mmh. Vous auriez le monopole de l'amour des Français mmh. bon, Je finis par me le demander. Merci, Jordan Bardella, d'avoir été notre invité ce matin. Merci.